Ouais, hello tout le monde. Ouais, on se fait des amis, mais on se fait pas que des amis. C'est la vie. C'est comme ça. Je sais comment vous dites paranoïaque. 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 Je sais comment vous dites. Comment vous dites? Cheers. Même le verre dans l'étagère était plein de merde dessous, même de paranoïaque. Comment vous dites? Kevin Benzema. Kevin Benzema, Kevin Benzema. And Kevin Mbappé. Comment vous dites? Kamel Mbappé. Une histoire de gros sous, tout ça. Pas de notre monde. C'est pas notre monde, c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous. Il faut pas avoir les pieds carrés. C'est une histoire de gros sous. Bon. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youkadi, les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Merci papa, merci maman. Dédicace à la famille. Tous les ans. Vous que ça recommence. Les jolies colonies de vacances, Youkadi, Bon, 1 km à pied.
pied, ça use, 1 km à pied, ça use les souliers, 2 km à pied, ça use, 2 km à pied, ça use les souliers. Et les trous de boulettes, ça use les survêtes, et les trous de boulettes, ça use les survêtes. Hey. Et trop de boulettes, ça use, ça use. Et trop de boulettes, ça use, et survêt. Bon, merci papa, merci maman, tous les ans, je voudrais que ça recommence. Bon, je pense que ce sera le JS Show 3, cette vidéo. Ça va être le JS Show 3. C'est une pléthore de blagues de 7e étage, de 7e degré, millier, 3e, 4e, 20e degré. Je crois que c'est le JS Show 3 en fait. Ça vient de commencer, c'est parti! Youpi! Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Merci papa, merci maman. Merci Fred, Laure, Gauthier, Robin. Et puis Cédric, et puis Daniel, et puis Micheline, et puis Gérard. Et puis la famille. Et puis merci Franck, et puis merci les voisins. Et merci les fans, merci les abonnés. C'est la fête, c'est parti! Sur Kevin, bien sûr. Virginie, Virginie, Florence, bien sûr. Lorraine, Anaïs Nin, bien sûr. Dédicace à Anaïs Nin, bien sûr. Bon, JH, repose en B. JH, repose en B, s'il te plaît. Serge, Magnédo, Serge, Serge, Magnédo, Serge. Alors après, quel super-héros je suis? On m'a demandé si je ressemblais à un super-héros. Bon, déjà, alors il y a un peu Bruce Wayne. J'ai un peu du Bruce Wayne. C'est sûr, j'ai un peu du Bruce Wayne. D'avoir un peu du Peter Parker aussi, forcément. Ça m'est arrivé de me faire piquer par une araignée. Surtout les abeilles, quand j'étais gosse, je me suis fait piquer par une abeille dans le cou, dans la nuque. Quand je me suis fait piquer par une abeille dans le cou, elle va lui sortir l'aspi venin. Après Benten, c'est vraiment Benjamin. Enzo, c'est vraiment Enzo. Enzo la frappe, hein. Enzo la frappe. Bon, Enzo la frappe, il connaît moins ça. Bon, Matteo Renzi, Matteo, bon. Les deux Matteo, hein, les deux Matteo, bon. Des bons milieux de terrain, hein, c'est des bons milieux de terrain, hein. Des bons milieux, hein, de Matteo, c'est des bons milieux. Bon.
On m'a dit qu'il y avait des. Il y avait une, il y a, on m'a dit que Élise jouait bien du piano. Oh chut, oh, on dit trop pour la zeu, là. Oh, non mais flûte, on en dit trop pour la zeu. Bon. Oh, on parle de. Ah mais de quoi on me barre alors, si on me barre parler de la zeu, on me va rien parler. Élise, elle joue bien du piano. Si elle joue bien du piano, c'est jazz. On déballe, des stockages prix réduit, ouais. Des stockages prix réduit, moins 70%, moins 70, ben oui, des stockages prix réduit. Bon, Gabin, il fait bien de la moto. Les gamines, elles ont des bonnes notes à l'école. On va pas citer le nom de toutes les princesses, toutes les fées qui veillent sur les landes d'eau, hein, toutes les Laura du monde, hein, toutes les Julie, toutes les Julia, on va citer toutes les Juliettes. On va pas citer toutes les bonnes fées qui veillent sur les landes d'eau, hein, Muriel, Sophie, Mireille, oui Mireille, Marie. Éric, ah ben Éric, ah ben Éric, ah ben. Puis Lucie, c'est pas non plus une fée carabosse, ça me Lucie, c'est pas une étrangère. Lucie, c'est pas une étrangère. Bon. Ah ben souvent, elle est souvent. Elle bosse souvent en télétravail, ben. Elle est souvent en transit, souvent dans les airs. Ben. On la voit peu. C'est pas une étrangère, quoi. Lucie, c'est pas une étrangère. Hélène non plus. Même si Hélène, sa passion, c'est plutôt les bureaux. Ben, les muraux, les bureaux. Hélène, sa passion, c'est les bureaux. C'est les vacances, hein? C'est les vacances. Je suis dans le thème, là, je suis dans le thème citrouille, hein, c'est les vacances. Bon, on va pas faire toute la fine équipe, hein, on va pas faire toute l'académie de Nice, toute l'académie d'Aix. On va pas faire toute l'académie d'Aix-Marseille, toute l'académie de Nice. Hein, bah. N'a pas le temps pour ça. Hein, bah. Puis c'est le JS chaud. C'est le JS chaud. C'est parti. Ça dégaine. One again. Ça dégaine. Ouais, bon, je voulais pas. Je voulais attendre demain. Je voulais attendre demain matin. On va pas tous les faire non plus. Hein.
Celui-là, il s'appelle V Energy Drink. Connais pas, connais pas. Du guarana. Bon, c'est le soir. C'est le soir. Comme ça, je suis sûr d'être au top demain. Comme ça, je suis sûr d'être au top demain. En plus, c'est vraiment le gilet chaud. C'est le gilet chaud, les amis. Ouais. C'est parti. Youpi. Bon, je sais, on est des amis, mais on se fait pas que des amis. Eh ben, youpi! Youpi, tralala, quoi! Tralala, youpi! Voilà. Pourquoi on aurait besoin de lunettes alors que le ciel est gris? Oh yeah. 25 centimes, il a bien le goût du brie, celui-là, il y a du guarana. V-Energie. Ça sert à rien d'en faire la pub une fois qu'il est vide. Il est sympa quand même. Ouais, il est sympa quand même. Il est sympa quand même. Hein? Ouais, ça, on n'écoute pas du gothique new wave. C'est avec ça, on n'écoute pas de la new wave gothique toute la nuit. Et du Jean-Sébastien Bach. C'est avec ça, on n'écoute pas du classique et du gothique new wave. Ben, je vois pas ce qu'on écoute, quoi. Pas écouter du bat toute la nuit, mais je peux pas jouer à la console et j'ai ma mère. Ben oui, la console, je peux pas y jouer toute la journée. Voilà, j'ai la daronne, j'ai ma mère. Sinon, vous avez vu la liste de bouquins là, j'ai commencé à mettre à remplir la playlist books. J'ai commencé à remplir la playlist books. C'est bien. J'ai commencé à remplir la playlist books. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Les livres, c'est des fenêtres sur le monde. Les livres, c'est des fenêtres sur le monde, le jour, la nuit. Sur place à emporter en drive. Même en ligne, si. C'est important, les livres, c'est important. Pas n'importe quel livre non plus. Des fois, ça s'appelle un bien culturel. Ça s'appelle un bien culturel. Ça s'appelle un bien culturel. C'est pas forcément un bien immatériel, mais c'est un bien culturel. Ça reste un bien culturel. Alors là, je vous ai présenté des ouvrages. Fin 20e siècle, début 21e siècle, début 21e. Fin 20e, début 21e. Ça va, quoi. On continue la vente d'air.
Petit à petit, on continue la vente d'air. De la bibliothèque, du truc, du machin. Que quand j'habitais ailleurs, j'en avais un paquet, quoi. J'en avais 100 fois plus de bouquins. J'en avais autant qu'à la médiathèque, à la moitié de la médiathèque. Comme but d'être auteur, mon projet c'était d'être auteur, évidemment. Tenir des carnets intimes, c'est déjà pas mal de tenir des carnets intimes. Où on note ses impressions, ses opinions, ses avis, ses pensées. Ce qu'on pense de quelque chose. Voilà. Les carnets intimes, c'est déjà pas mal. C'est pas des bouquins, c'est pas des livres. C'est vrai qu'ailleurs, j'avais à peu près la moitié de la médiathèque de la ville. J'en avais énormément. J'aurais pu ouvrir une librairie. Ouais, j'aurais pu ouvrir une librairie. Ça a fait une ouais, une autre, ouais, j'aurais pu ouvrir une librairie. C'est sûr. Avec des jaurés. C'est du passé. C'est du passé. Mais les biens culturels, c'est pas forcément immatériel. C'est pas forcément immatériel. Après, avec les critiques littéraires, ben, ce soit des. Les critiques littéraires, ben, ils en font leur beurre. Ben. Plus ils donnent de mauvaises notes, et plus ils en font leur beurre. Ben. Ils attendent la postérité de l'artiste. Oui. Ça s'est toujours fait. Enfin bon, le Pascal, ce qu'il est devenu, quoi, le Pascal Saint-Saëns, ce qu'il est devenu. Ça fait pitié. Pitié. Même le Montesquieu de 200 balles. Montesquieu de 100 francs, ça fait pitié. Parce que c'est devenu cette culture. Fait pitié. Il pouvait pas mettre Voltaire, même sur les billets, il pouvait pas mettre Voltaire. Il pouvait pas mettre Voltaire, ni Diderot. Imagine qu'ils auraient mis Danton sur les billets de la Banque française. Danton sur les billets de la Banque française. De qui? Non, ce qu'ils auraient quand même pu faire, c'est mettre des Louis XIV, des Napoléon, des François Mitterrand. Ils auraient quand même pu mettre des Napoléon, des François Mitterrand, des Charles de Gaulle, des trucs un peu plus. Il y a bien un Charles sur le drapeau, sur le billet sterling, sur le livre, sur les livres maintenant. Il y a bien un Charles dessus avec des grandes oreilles. Ben, qu'est-ce qu'on se retrouve avec des papiers avec des arches qu'on met devant?
complètement farfelu, quoi. C'est complètement farfelu. Puis en Angleterre, il y a bien un billet où il y a un Charles qui va rester tant que Dieu lui prête vie. Il sera sur le billet, le mec. Hein. C'est une autre culture. Ça aussi, c'est de la culture. Ça aussi, c'est de la culture. Après, bon, moi je l'ai eu le bouquin, le livre de Beck BD, 99 francs. Je l'ai eu, hein, Beck BD, 99 francs, je l'ai eu. Entre les mains, je l'ai eu entre les mains. Honnêtement, je l'ai lu en diagonale. Parce que je pense pas en faire, en faire une grande éloge. C'est sûr que c'est assez jet set, c'est assez. Genre de bouquin, ça attire les midinettes, ouais, ça attire les midinettes. Bon ben moi ça me suffit, je veux dire, faire des carnets intimes, ça me suffit, pour la postérité, des carnets intimes avec des croquis dessus, ça suffit, c'est moi perso, il y en a assez, ça suffit, mais c'est des carnets intimes avec des croquis dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Pour la postérité, est-ce qu'on va laisser, franchement, la postérité. Pour les jours où il fera de la glace, bah ouais. Bah tiens, il y aura ça, tiens, il y aura ça, il y aura le JS Show 3. La postérité. LOL. Puis c'est bien ce genre de truc, mais c'est un max de sucre. C'est un max de sucre, en plus il y a du goût en rien. Guarana, vitamine B, taurine. On est parti pour 6 heures, 4 heures, 6 heures. Avec la caféine, 4 heures, 6 heures de folie. 6 heures de dingue. En plus de la télé, de plus en plus il n'y a que des conneries, mais il n'y a que des bêtises. Que des bêtises. Pas que. C'est pas le même genre de fenêtre sur le monde, c'est pas le même type de fenêtre. Les livres, ça allume, ça ouvre les neurones, tandis que la télé, ça les ferme. Ça ferme les neurones. T'en as un qui éveille la conscience, qui éveille un peu le jugement, et puis t'en as un autre.
petite lobotomise. La Fernsehen, enfin la TV, la TV, la Fernsehen, Fernsehen, c'est de la loboto, c'est de la grosse loboto. C'est de la grosse loboto. Même pour ça, je me permets de donner mon avis là-dessus. Là, je me permets de donner mon avis là-dessus. Mais... Fernsehen égale loboto, bien sûr. La Fernsehen égale loboto. Une affaire. Il y a ce côté matrice, quoi, évidemment. Matrice égale loboto, bien sûr. Bon, je vais pas vous dévoiler, je vais pas vous faire un spoiler. Du JS Show 3, même. Vous avez déjà eu des révélations. Bon, là, avec ce genre de truc, du coup, on devient hyperactif. On ne tient plus en place, on ne fait que parler. Dès qu'on avale trop de sucre, c'est une catastrophe. On ne tient plus en place. C'est la fin de journée, en plus, on va devenir une chauve-souris. Moi, j'ai pas critiqué le gain, mon gagne-bain non plus. Moi, j'ai pas critiqué mon gagne-bain. J'ai pas critiqué mon gagne-bain. Si en plus, il faut que je fasse critique TV, critique télé. S'il faut que je fasse critique télé sur ma chaîne YouTube, ben, le barré. Je vais y passer 10 heures par jour. Merde, flûte. Ah, faut rester poli, faut rester au moins familier. Ben, faut rester familier. On va pas y passer 10 heures par jour à faire des vidéos. Tout en restant dans un badge. Par contre, ouais, ça, je le déconseille, ça rend hyperactif. C'est du guarana. C'est du guarana, je le déconseille. Ça rend hyperactif. Merci papa, merci maman, tous les uns, je voudrais que ça recommence. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman, tous les uns, je voudrais que ça recommence. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Et la guerre des boudins. La guerre des boutons, la soupe aux choux. Bref. Si vous avez moins de 20 ans, vous pouvez pas connaître.
Ouais, le lilas, c'était une couleur, ouais. Le lilas, à l'époque, c'était une couleur. Ouais. Le lilas. Mais ça prend un S. Hein. Lilas. Hein. Le lilas, c'est une couleur. Enfin, c'était une couleur. Qui ressemblait à ça. C'était une couleur. Le lilas, c'était une couleur. Non, non, ce genre de truc, ça rend hyperactif. C'est pas terrible. Ouais, V énergie, c'est pas terrible. Ça rend vraiment hyperactif. Possible. C'est pas possible. Ah non, même celui-là, il est terrible. Il est terrible. Ah, celui-là, il est terrible. Il est pas mal, hein, il est pas mal. Alors, il met vraiment la banane. Il faut vraiment la banane. Il met vraiment la banane. Hein. Ouais, on se fend la poire. On se fend la poire. On a mangé trop de sucre, on a bu trop de sucre. On se fend la poire. On a bu trop de sucre, on se fend la boire. Trop de saccharose, trop de sucralose, ouais. Youpi. T'as y'a la tuin-tuin. Et en plus, j'ai du rosé. Alors. En plus, j'ai du rosé pour. Alors, juste pour ma pomme. Se fendre la poire. Eh ben, mais plus c'est pour ma pomme. Lol. Mais c'est pour ma pomme. Lol. Le parachute doré. Et la porte des lilas, la porte des lilas. Le parachute doré, la porte des lilas. Paradoxe. Paradoxe. Bon, Blanc-Mesnil, ouais, Blanc-Mesnil, Aulnay, hein. Bourget, hein. Même Rancy, hein, mais avec vous, hein, Saint-Ouen, Saint-Ouen, en dédicace, hein, les lilas, Montreuil, ouais. Tchernobyl, on était là. On a été là, 86 Tchernobyl, on était là. Même 80. Mais non, 81 Mitterrand. J'étais trop petit. 81 Mitterrand, j'étais trop petit. Même. Mais la manif contre Jean-Marie en 2002, ben. Il n'y a pas tout le lycée qui a déboulé en ville pour aller foutre le boxon. C'est pas vrai. Quand il fallait défendre la tchèque, quand il fallait un peu
un peu défendre nos causes. Il n'y avait pas grand monde. C'est pas qu'il n'y avait pas grand monde. Même dans ma classe, il n'y avait pas grand monde qui a déboulé. J'étais le seul à avoir déboulé en pleine ville. À faire tous les lycées de la ville. On a fait tous les lycées de la ville. Pour que les gens ils se rendent compte un peu du foutoir dans le. Foutoir. Trop de trop. Trop de trop, c'est pas bon. Peu de peu, c'est pas bon non plus. Un juste équilibre. Bleu, blanc, rouge, c'est pas mal. Rouge, blanc, bleu, c'est pas mal aussi. Historiquement, pour l'histoire de France, le bleu, il était là avant le rouge. Il était là avant le rouge, le bleu. Même le blanc. T'es là après le bleu. Donc bleu, blanc, rouge, c'est historique. C'est historique. C'est dans nos veines. Coule dans nos veines. Bleu, blanc, rouge, ça coule dans nos veines. C'est pas Groland de rouge, blanc, bleu. LOL. Habillé en batave en plus, comme le plus, en plus je suis habillé en batave. Mais aussi c'est bleu, blanc, rouge. Aussi c'est bleu, blanc, rouge. Bon, quand certaines îles, il y aura des îles qui n'existeront plus. Des îles, même des nations qui n'existent plus. Faudra qu'ils se disent, faudra se dire, c'est pas qu'elles n'existent plus, c'est qu'on est inondés. Ces endroits, ils vont être inondés. Je les inondés à vous. Ils vont être inondés. Pas très longtemps, parce qu'à la calotte, bon, il n'y a pas des milliards de litres. Hein, mais, il n'y a pas des milliards de litres dans la calotte arctique. Hein, bon, 2-3 mètres, ben, je pense que les autorités de Manhattan, ils peuvent surélever le bitume, ils peuvent surélever le macadam de 2-3 mètres. Hein, ben. Qu'est-ce qui les empêche de faire des avenues en hauteur, ben. Les autoroutes en hauteur, Manhattan, ben. Ben, c'est far away. Hein. C'est far away, Manhattan. Ben. Qu'est-ce qui les empêche de mettre des couches de pavés supplémentaires, du bitume un peu plus haut? Qu'est-ce qui. Rien les empêche. Ils diront, bon, bah, c'est inondé. Alors, c'est inondable. C'est une zone inondable. Une zone inondable. Bon ben, c'est souvent inondé. Puis si c'est dans la flotte, si c'est dans l'eau, bon ben c'est inondé. Bon ben, c'est pas que ça n'existe plus. Bon, après ça fait des réfugiés. Bon, ben, c'est inondé. Si c'est sous le niveau de la mer, c'est sûr que bon, c'est inondé. Si c'est sous le niveau de la mer, c'est inondé. Voilà. Bon, c'est déjà une zone inondable. Si après, ce sera sous le niveau de la mer, ben, ce sera inondé. Moi, je suis ni climato-sceptique, ni fan d'émissions de météo. Je suis pour un équilibre, un bon équilibre. Un libre penseur, mais pas la pensée libre. Je suis un libre penseur, mais pas la pensée libre. Je suis un libre penseur, virgule,
mais pas la pensée libre, point d'exclamation. La pensée libre, tu te la mets là où je pince. En plus, c'est mieux d'agir que de dire, que de faire. Faire, c'est mieux que d'agir. Agir, c'est mieux que faire. Dire, c'est mieux que parler. On dit des synonymes, mais enfin, les mots ont un sens. Agir, c'est mieux que faire. Dire, c'est mieux que parler. Baiser, c'est mieux que dormir. Les actes, ouais, les actes, c'est bien. Les actes, c'est mieux que les mots. Oui, les actes, c'est mieux que les mots. Comme la plupart des humains, ils ont besoin de mots pour agir. Ils ont besoin de mots pour agir. La plupart des humains, ils ont besoin de mots pour agir. Un véhicule, c'est un engin à réaction. Un véhicule, ça réagit. Un humain, c'est pareil. Même les plantes, les animaux, tout ça, ça réagit. Même le minéral, il réagit. Concrete meditation, encore une fois, once again. Concrete meditation. Bon, ben, JSO3, ben. Ça frise la fin, hein, ben. Ça frôle la fin, hein. On est pas loin de la fin. Hein. On essaie de faire un format VHS, quoi. Donc un format, ouais, ben, c'est 52 minutes. Hein, ben. Magnéto Serge, hein, faudra s'en rappeler. Hein, ben. C'est énorme, j'avais pas prévu de faire un JSO 3 aujourd'hui. Mais alors ce Guarana là, ce Guarana là, ça rend complètement hyperactif. Merci papa, merci maman. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Ah, il y a le voisin qui me fait des coucous là-bas. Le voisin qui me fait des coucous. Super. Super, super. La nicotine, ça aussi, ça rend hyperactif. Bien sûr, la nicotine, ça joue sur les... ça stimule les neurotransmetteurs. Contrairement à d'autres dopes, bien sûr, ça stimule les neurotransmetteurs. Yeah.
Bon, bah pour les deux dernières minutes, on est droit au décor. C'est magnifique, extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tellement beau. C'est prodigieux. On se croit à la kermesse. On se croit au carnaval. Et tourner serviette et le starter dans la bagnole hors d'Italie la team c'était le JS Chautreur bon replay vous allez vous régaler hein. LOL un gros mort de rien un gros PTDR hein, N'y prêtez pas attention à l'illusion. Hein. C'est de la rigolade. Hein, ben. Bref. Allez. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Hein. Et ouais, c'était pas une story TV. C'était CGS Show 3. Salut, à la prochaine. Ciao.